Salut tout le monde, c'est Stolize et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo, franchement, faut que vous la regardiez. Enfin, que vous écoutiez, excusez-moi, surtout ce que j'ai à vous lire. Oulala, j'ai eu un petit pop, je le vois parce que j'enregistre en différé, donc j'ai Audacity devant mes yeux. Et donc du coup, eh bien, en fait, je voulais vous dire que j'ai mon ordi portable super puissant et tout, les jeux tournent impeccables dessus. Mais le problème, c'est que comme tous les ordinateurs, eh ben la carte son intégrée est pourrie. Enfin, comme tous les ordinateurs récents. Donc du coup, faut qu'encore que je me prenne, oui, c'est pas français, mais j'en fous. Faut encore que je me prenne une carte son cette fois-ci externe. Mais ça me saoule, quoi. Bon, j'en ai trouvé une, voilà, qui convient très bien. Mais voilà, c'est ça, c'est fou quoi, qu'à chaque fois je sois obligé de prendre une carte son quoi, ça me saoule tout simplement. Donc vous inquiétez pas, il y aura quand même encore des vidéos, mais du coup sur mon PC fixe, donc moins puissant. Mais ça c'est pas le problème. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai lancé mon chrono, puisque vu que je suis devant Audacity, ben je vois le compteur, donc je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave, mais voilà, ben ça me saoule quoi de devoir encore dépenser quoi, mais bon, c'est pas non plus des cents et des mille hein. Voilà, donc juste pour vous dire aussi que du coup le rythme sur la chaîne sera un petit peu moins soutenu. Ouh là là, j'ai encore eu un pop, ça me saoule là. Le micro, je le mets exprès, attendez, hop, je le monte un petit peu. Ouh là là, ok, ouf, il y a eu un bug là. C'est pas grave, c'est peut-être moi quand j'ai touché au micro. Enfin bref, là il n'y a plus l'air d'avoir de trucs. Non, c'est bon. Enfin bref, moi je sais pas pour vous parler de mon micro que je suis là, enfin si quand même un petit peu, mais du coup, bah oui, les vidéos seront à un rythme moins soutenu parce que je suis beaucoup sur mon ordi portable à installer les jeux, etc. Mais bon, enfin, pour l'instant, il y a juste Sleeping Dogs que j'ai téléchargé, mais le reste, j'ai fait le gros bourrin, je fais copier-coller, ça a marché. League of Legends, vous faites copier-coller, ça marche, impeccable. Terra, pareil. Vous cherchez pas à télécharger le launcher, etc. Non, non, vous prenez le truc Terra. Et si vous avez installé le jeu dans le même emplacement que le launcher, normalement c'est comme ça. Je crois qu'on peut pas le changer. Enfin après, je sais plus. Normalement, vous avez le launcher avec le jeu. Du coup, dans le même fichier. Et donc, vous faites copier-coller comme un gros bourrin. Et puis, hop, c'est bon, ça passe. Mais voilà quoi, Ion, bon, faut faire un petit peu dans le registre. Vous allez regarder, vous cherchez hein, sur Ion, sur le fofo, c'est écrit. Mais non, non, franchement, ça va quand même. J'arrive, là j'ai encore que 2-3 jeux quand même à remettre dessus, mais voilà. Donc du coup, vous voudrez quand même une meilleure qualité d'image, etc. Parce que ça sera quand même en 1080p du coup. Enfin, ma résolution d'écran est en 1080p, mais moi je vous ferai les vidéos toujours en 720p parce qu'avec la connexion internet, je peux pas faire plus. Je suis désolé. Mais voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, en fait, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai fait un gameplay de 10 minutes pour rien du tout parce qu'en fait, vous allez en voir même pas 5 minutes. voilà, parce qu'au début, je voulais aller faire sur Skyrim, mais. Non, non, non. En enregistrant avec Fraps, non, non. Sur le fixe, il veut pas, là. Mais. Donc, voilà. Et. Non, j'ai. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À part que maintenant, la qualité des jeux, elle sera pratiquement toujours à fond. Hein, à part pour Sleeping Dogs, où Sleeping Dogs demande un PC juste de malade pour mettre l'anti-aliasing à fond. Ça, c'est pas possible, quoi. J'ai tout, sauf la synchronisation verticale qui ne sert pratiquement à rien, parce que de toute façon, c'est pas méchant, les bugs de synchronisation, justement, verticale dans Sleeping Dogs. Ça gêne pas énormément, donc ça, vous le désactivez. Mais sinon, tout le reste est à fond. Mais sauf l'anti-aliasing, parce que voilà. Ah non, puis la densité aussi, parce que la densité, même en normal, elle est bien. Et en élevé, elle est très très bien aussi. En extrême, je vois pas l'intérêt. À part que ça vous saoule, parce que vous pouvez pas marcher sur les trottoirs, vu qu'il y a plein de gens et que donc vous bousculez tout le monde. Enfin bref. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, un rythme un peu moins soutenu pour les vidéos. Je vais quand même essayer de vous en faire deux par semaine.
Mais là, j'en ai plus en stock. C'est bien ça le problème. Et voilà quoi, je veux dire, moi je m'excuse, je suis désolé, mais voilà, j'ai mon nouveau jouet, on va dire. Donc quand même, je joue dessus. Bah, vu que c'est un jouet. Enfin bref, oui, les phrases un petit peu à la con, oui, je les sors tout le temps, mais vous avez l'habitude, je pense, maintenant. Enfin bref, donc vous inquiétez pas, hein, j'arrête pas les vidéos ni rien, hein, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y aura un rythme beaucoup moins soutenu, parce que du coup, ben voilà, faut que je trie un peu, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais essayer quand même de vous mettre deux vidéos par semaine quand même, jusqu'à la fin des vacances. Ouh là là. Ça y est, je commence à bugger. Enfin bref, là c'est... Non, c'est bon, là j'ai trouvé le bon angle du micro, je crois qu'il n'y a plus trop de pop, ou alors je l'ai pas vu, enfin s'il y en a encore, mais c'est pas grave. Ça me saoule là, je sais pas pourquoi, je sais pas comment je le mets. Attendez, donc là normalement vous avez entendu du bruit, oui voilà, je le vois. Mais voilà. Donc je regarde, non c'est bon, c'est bien en hauteur normalement. Je sais pas, le souffle normalement ne va pas dessus là, je comprends pas. Vu comment je l'ai placé, je comprends pas. Enfin bref, ben ça va, en fin de compte je le tiens, là je parle et tout. Donc sinon à part ça, du coup Ion, j'attends toujours la 4.0. Ça, je l'attends avec impatience parce que j'ai vu les vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien. Les vidéos de Cetri45 qui a fait un petit let's play sur le serveur 4.0 qui montre. Et franchement, ça donne envie. C'est fou. C'est fou. Je l'attends avec impatience. Là, dans sa dernière vidéo, il a dit que ce serait vers le 28 août, normalement. Je sais pas où il l'a vu. Peut-être sur les fofos, je sais pas. J'ai pas regardé. Enfin bref. Du coup, ce serait le 28 août, ça me saoule parce que c'est juste avant la rentrée. Et je tiens à vous préciser aussi, tiens, par la même occasion, que à partir de la rentrée, les vidéos, voilà quoi. C'est bien ça le problème. Ça va être un rythme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins soutenu. Parce que là, ça, c'est un emploi du temps blindé. Ma sœur a fait le même BTS, mais enfin l'autre option, elle. Moi, je fais option développeur d'application. Elle a fait option réseau. Parce qu'il y avait que ça au début dans mon lycée, mais maintenant ils font les deux options. Donc moi, j'ai fait ouais, je suis trop content. Pas besoin de partir à Reims. Enfin bref, vous en foutez quand même un petit peu. Vous ne le dites pas, mais vous le pensez. Enfin bref. Ouh là là! Ouh là là, dis donc, j'ai un truc là, ça monte en flèche, je sais pas c'est quoi. Enfin, à mon avis, j'ai soufflé encore dans le micro, je suis désolé. J'arrive plus à le placer correctement, je sais pas comment je parle pas du côté gauche de la bouche, quoi, je comprends pas. Enfin bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais point. Ion, j'attends la 4.0, ça je l'ai dit, parce que... Et à partir de la 4.0, je me fais un gunner. C'est pas parce qu'ils sont cheatés, hein, non, 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 hein. Enfin si, mais non. Mais c'est juste que, non, non, attends, ils ont la classe, ces mecs-là, non, non, je vais me faire un gunner, attendez. Ça serait... Je sais pas, Gameforge, j'y serais capable de faire le coup du... Oh bah tu veux faire gunner, bah t'achètes un low gold. Enfin, mais non, non, je pense pas, parce que quand même, là, ça... Non, non, ça dégoûterait beaucoup de gens. Y compris moi. Donc, non, non, j'espère qu'ils ne feront pas ce petit coup de filles travaillant dans la rue. Enfin, bref. Moi, je pense que c'est tous les gens, donc, ouais, vous verrez pas la fin, hein, du gameplay, je suis désolé, mais bon. De toute façon, c'était pas super intéressant, surtout qu'à la fin, je galère, comme je sais pas quoi, j'avais vraiment pas de chance. Enfin bref, de toute façon, c'est du Worms, vous connaissez. Et puis, vous en avez une il y a pas longtemps. Donc, voilà. Oui, c'est tout, hein. Attendez, je cherche un petit peu, mais non, non, je pense que c'est tout, hein. Ah oui, sur mon ordinateur portable, j'ai Windows 8. Windows 8, c'est le mal. Point. Enfin non, mais c'est juste que le deuxième jour, j'ai cru que j'avais bousillé mon ordi, quoi, parce que ça... Maintenant, à chaque fois que je l'allume, ça me lance la réparation automatique. Je sais pas pourquoi. C'est des pilotes qui l'aiment pas, parce qu'en fait, du coup, je fais une option à chaque fois, je le redémarre, et puis je fais une option... C'est quoi? C'est désactiver le contrôle obligatoire des pilotes ou je sais pas quoi.
Et bah, il s'allume normalement. Donc en gros, je suis obligé de l'allumer deux fois, mais vu que ça prend quoi, ça va, ça prend 15 secondes. Ouais, en le redémarrant en tout, bah, du coup, ouais, ça prend 7 secondes à peu près à chaque démarrage, donc 7 secondes, 7 secondes et demie. Donc ça prend une quinzaine de secondes en tout, vu que je dois le redémarrer. Mais c'est pas grave. Parce qu'il marche de toute façon. Donc je sais pas, j'ai voulu installer Sony Vegas Pro 12. Ça s'est arrêté en plein milieu de la. Ouh là là, excusez-moi. Ça s'est arrêté en plein milieu de l'installation. Ça a redémarré Windows. Alors oui, Windows 8, je sais pas pourquoi il aime bien redémarrer votre ordinateur pour rien. Et puis sans vous demander votre avis, je sais pas. Je sais pas, ça c'est. Mais bon, après, non, c'est. Non, c'est quand même bien, c'est quand même bien, c'est quand même amusant et tout. Si, quand même, faut pas non plus tout le temps cracher dessus. C'est très très saoulant, mais si vous vous y connaissez en informatique, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Enfin. Oui, je suis un petit peu prétentieux à dire que je m'y connais aussi en informatique, parce que bon, j'ai des connaissances, mais je suis pas non plus un mec pro de la maintenance ou de la programmation, etc. Donc voilà. Enfin bref, moi je vais vous dire à plus, parce que là ça commence à être vachement long, juste pour une vidéo annonce, hein, une douzaine de minutes. Moi pour upload, ça va encore être joli, enfin, non, je pense pas, non. Ah, quoique l'image quand même elle bouge et tout. Ouais, enfin c'est pas grave, de toute façon ça vous fait un petit support visuel, parce que sinon c'est très chiant de regarder une vidéo comme ça. Donc, ben moi je vous dis à plus, et n'oubliez pas. We can have a lot of fun.